Oui, je disais justement qu'on va recevoir notre invité, mais après le jingle. C'est pas possible, s'il n'a pas ça, il peut Oui, pas. c'est après le jingle. Après le jingle, Vous deviez écouter jusqu'au bout là. Il n'arrive pas. Faut mettre le jingle, non, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Que c'est fait, le reste c'est bon. Ouais. D'accord. On va recevoir notre invité avec le concours de nos auteurs. Milia Tchonchou et Colin, c'est mon chou qui écrit pour Ekosso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatu, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême et les marraines du Lane Chou Quintier s'appellent Madame Colette Chatu. Qu'est-ce qu'on lui dit le vendredi? On lui dit bonsoir, madame. Ah bon, c'est pas que vendredi que tu fais ça par contre. On est vendredi. Alors, nous recevons. La reine Douala Nathalie Ekwe. Yes. Bienvenue, Majesté. Oui, alors, reine Douala Nathalie Ekwe, il faut le dire, vous êtes une reine de naissance, une reine d'essence. Et les reines, les majestés, comme on dit, elles savent tout de la beauté. La beauté sublime par le corps, la beauté sublime par l'esprit. La beauté par le corps, on peut le voir à l'antenne, vous êtes une femme élégante, raffinée, qui aime les choses belles, des matières rares, précieuses, des pièces uniques. Vous les aimez comme une femme, mais vous les aimez également comme une créatrice, parce que vous êtes une créatrice des œuvres de l'esprit. C'est le second volet de la majesté par l'esprit. La majesté par l'esprit, c'est la connaissance de la beauté et par son partage. Comment partage-t-on la beauté quand on est un esprit? Par l'art. Et vous êtes une excellente chanteuse, vous êtes auteur et vous êtes interprète. Vous dites la nature, vous la chantez, vous la parlez par la musique et principalement par la langue que vous affectionnez, la langue Douala. Et vous portez son nom comme vous portez le nom de la ville. Vous regardez le Cameroun comme votre village, l'Afrique et le monde comme le lieu unique dans lequel vous vous retrouvez avec les vôtres. Hein. Donc la musique, c'est un art que vous maîtrisez hein, et vous parlez aux autres par la musique. La musique vous transporte et avec elle, vous transpercez les gens et vous transmettez vos messages. Depuis 2009, effectivement, vous avez un album qu'on appelle le Graal. Et toutes les personnes qui sont spirituelles savent que le Graal, c'est le niveau suprême de la félicité et de la volupté divine. Vous avez sorti le Graal, les extraits du Graal. Et tout récemment, il y a également les cantiques venant des empires profonds de votre culture. C'est un pan, la musique, très spirituelle. Mais l'autre pan également, c'est que vous vous connaissez bien en civisme, vous connaissez bien en modélisme et vous savez faire énormément de choses de vos mains, notamment la sculpture sur bois et de toutes les matières ferreuses. Exceptionnelles. Alors, que peut-on rajouter à cela? Ben, que vous êtes une âme charitable, une personne qui, au-delà d'avoir une élévation spirituelle particulière, sait aussi par le corps toucher l'environnement direct, l'environnement qui lui est direct en étant sensible aux souffrances des hommes. C'est tout un univers qu'on a à découvrir par juste ce nom-là. La reine Douala Nathalie Ekwe est avec nous. Bienvenue. Eh oui, la reine Douala Nathalie Ekwe est notre invitée ce soir.